Comment ça va? J'espère que vous êtes prêts à avoir du fun! Bonjour! Bienvenue au Gamjo des étudiants de physique de l'Université de Montréal. Veuillez accueillir vos animateurs. Les gars, le punch ne marche pas comme ça. Ça sert à rien, non? C'est bon. Oui. Veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Steven, Simon et Félix! Bonjour. Est-ce qu'on entend mon micro dans le... juste pour petit test? Oui. Le monsieur dans le ciel a dit oui. Bien assuré. Hey, je suis vraiment content de vous voir. On a un beau show devant nous, n'est-ce pas, Simon? Oh, écoute, plein de variétés ce soir. On a de la jonglerie, du dontage de lions, des naines, des requins affamés, tout pour vous combler. Fermez vos cellulaires. Puis il n'y aura pas de variété, ça va juste être amusé. Puis moi, je suis pas tant content d'être ici. Je l'ai fait dans la grosse partie, puisqu'on avait du poulet gratuit qui en participait. Steven, c'est un bon gars. Faut pas se fier aux apparences. C'est un bon gars, il est fin, il a un bon fond. Et même Steven, on va te faire faveur. Si tu peux, on en plus un petit peu. Parce que Steven est dans le premier numéro. On l'aime quand même. Il est dans Blockstar. Puis c'est un band. Puis Steven joue la baisse en temps. Puis, toi, en général, ben. Le bête est bon! Mais Steven a besoin encore d'un peu de pratique! Oui! En tout cas! Fait que le bête se prépare, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement les Pavlovsdogs! Thank you.
Félicitations, Pablo Stock, ça a vu, c'était excellent. Puis, juste avant de commencer le prochain numéro, on n'a pas eu le temps tantôt, mais je voulais souligner le fait, je voulais remercier mon co-animateur, Steven Terranova, je vous explique. Steven tenait à mettre son chandail Jazz Band de Mortain. Tenait vraiment, puis c'est un chandail. En tout cas, puis, aujourd'hui, j'ai dit à Steven, ah, c'est vraiment un bon gars, tu. Regardez, Steven, on a mis un chandail blanc. C'est la seule fois que j'ai vu quelque chose de pas jauni sur Steven. J'aimerais ça qu'on t'applaudisse. Parce que, moi, j'étais quand même moustillé à l'idée de savoir que ta mère allait être là ce soir. Je sais pas si elle réussit à la spotter dans la cour. Salut, Diane. Salut, c'est Gladys. On s'appelle. On est jeune. Tiens, Nadine. Oh, si long. Ça marche? Déjà, ça marche. Fait que. Je suis désolé pour ce moment. En tout cas, remets la lumière noire dans ce sens. Parfait. Ouais, c'est. Fait qu'on va continuer. Bon, on continue le spectacle. On a un spectacle à rouler ici, puis oui, c'est excellent. Hey, désolé pour le temps. Tantôt en arrière dans la scène, mon micro a coulé, bon, je l'ai mis sur la table. Donc, lui, il est habitué à animer ce show-là. Il m'a dit, moi, j'ai mis mon micro là, dans la fois, je l'ai mis là. Ça, oh, c'est ça que je disais. Je savais pas que tu dirais ça. En tout cas, fait que, on vient d'avoir un gros numéro haut en énergie. Maintenant, on va créer un numéro qui va faire revenir bouillonner en vous les émotions fortes. C'est un numéro là, qui va venir vous chercher. C'est un numéro qui met en vedette Claire Girard et Josiane Gaudreau. Say something. Applaudissez-les, chapeau de main d'applaudissement. Say
Steven, tantôt t'as peut-être mangé ton poulet un peu vite. Ah, il y a peut-être ça aussi. Une chance que les toilettes en coulisses. Bon, ben, le prochain numéro va être interprété par Félix! Félix! Et je vous laisse deviner le dernier. Félix! Non, c'est Kevin. Leur groupe, jaune, rouge, bleu, va nous interpréter vert d'harmonium. On peut voir que leur nom a été très brillamment choisi en fonction des trois consommants principaux des M. Girls. Jaune pour la moutarde, rouge pour le ketchup et bleu pour le ketchup bleu. Applaudissez-les comme ça, un podcast ensemble! Thank you.
Thank you.
vraiment le public le plus ravissant que j'ai jamais vu de tout le monde. J'ai pas entendu une personne tousser, et puis je vous remercie tous d'avoir tenu votre souffle pendant un bon 10 minutes. Vous êtes excellent. Non, je le dis du fond de mon cœur. Et puis, pour le prochain numéro, pour vous récompenser, on va continuer en force avec un trio absolument exquis que j'adore. Trois musiciens hors pair vont venir vous chanter la chanson « Map Monde ». C'est comme une carte du monde. Vous entendez derrière. Le trio de Charles Brunet, Josiane Gaudreau et Claire Gilles. Accueillez des chaleureuses.
de me cacher. Et le jackalopatie, je voudrais être ici pour voler dans la nuit et m'en aller loin d'ici. Mais de l'ici à qui, je voudrais être un monstre marin, pouvoir monter dans la mer de tous les requins. C'était excellent. En plus, elle est super bien chantée. C'est le premier malaise qui n'a pas été causé par l'équipe d'animation. Bon, eux, ils ont l'excuse que c'était prévu. Pas nous. Mais bon. Le prochain numéro nous est présenté par Suki. Elle va chanter Safe and Sound. C'est sa première... son premier numéro sur scène, en fait. Mais, comme on dit, ça commence dans un talent show qui s'est mis à Vegas. Veuillez l'applaudir en petit tour de main, c'est des super Nova. Suki et Saint-Étienne. Thank you.
vraiment une belle voix. Le prochain numéro, c'est probablement mon numéro moi préféré. Je suis vraiment là-dessus. À chaque fois, je suis sur bord de pleurer. C'est vraiment malade. Je suis vraiment là-dessus. Puis en plus de ça, grâce au pamphlet de ce soir, j'ai découvert que a cappella, c'était deux mots. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que le mot A venait du préfixe qui signifiait sang en grec et cappella qui signifiait instrument. Justement, les capellistes étaient engagés dans le temps de la Grèce antique pour faire des combats de gladiateurs. Les premiers écrits sur les capellistes ont été trouvés dans la ville de Prosciutto. C'est très proche de la ville de Calabrese, si vous cherchez sur le carte. Aussi, en arrêtant de parler de la Grèce antique, j'aimerais vous préciser qu'une des deux trucs que je préfère vraiment, parce que je la trouve vraiment émouvante, à part d'un monsieur qui a peur qu'à ses 64 ans, il soit incontinent. Et que sa femme, sa bien-aimée, ne soit plus là pour s'occuper de lui et qu'il doit se retrouver dans un CHSLD. Quoi excellent! La chanson est un peu absurde, parce qu'à 64 ans, t'es encore autonome. Alors, je vous, sans tarder, je vous demanderai d'accueillir la chorale a cappella de la Fizoum. La 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 la
j'explique tellement, c'est ça. Genre, le bout, c'est. J'ai peur d'être incontinent. Ah, c'est malade. En tant qu'ils font des jazzy ends, là, un moment donné, tous ensemble. C'est vraiment fait. Hey, j'ai remarqué, c'est la première fois que j'ai fait le show, puis il y a vraiment beaucoup de lumière en appel en main. J'ai réagi sur Spongebob, c'est pas ça le point. C'est juste que je trouvais ça vraiment bizarre, parce que j'ai vraiment fait beaucoup de shows, genre, en général, dans ma vie, mais comme musicien, puis la plupart du temps, je le pense comme ça. Que j'ai pas vraiment dealé avec la foule. Là, c'est vraiment le problème, vous regardez, vous avez vraiment tout le temps des visages sombres. J'entends des fois rire, mais en général, c'est pas. Si tu regardes qui te regarde, je sais pas s'il y a du monde sur le bar, en fait, non, on va se faire ce qu'on est texté. Là, tu sais, on a eu plein de numéros ensemble, puis c'était vraiment cool. Fait que, tu sais, on peut se permettre d'avoir une petite pause, ça va être un entraînement. Puis, fait que pendant l'entraînement, il va y avoir de l'eau distribuée gratuitement dans les arbres. Fait que, regarde, allez vous dégourdir les jambes, c'est pas bon, rester assis trop longtemps pour les longs pas. Allez-y, gantez-vous. On se revoit dans 10 minutes.
Je dois dire que c'est un peu mauvais pour l'ego de jouer Stevie Ray Vaughan. La version traditionnelle de la chanson. Stevie Ray, c'est un peu frustrant d'essayer de trouver. Il est tellement bon, mais d'autre part, on a des sources fiables qui me disent qu'il n'était pas très bon en mécanique quantique. Et en parlant de ça, ma prochaine numéro s'appelle Schrodinger's Cat. Thank you.
dans le... Ouais, c'est dans le... Vous avez rien fait, on t'a pas tué. Trois, quatre. J'ai apporté Félix sur ça. C'est pour une raison particulière. C'est que j'ai fait faire des signes. Philippe, tu parles la face quand tu le signes? Reste comme ça, le signe part à peu près de là, il finit là, genre juste tu cries. C'est vraiment drôle, ok? Ah, tu peux t'en aller. La première, c'est que j'avais fait comme un pneu. J'avais fait un pneu sans, ça m'a coûté 35$. J'ai vendu 25 cents okay, pour les intéresser. Le fait de le calcul, oui, je suis dans le groupe. À la question, suis-je un imbécile? Vous avez la bonne réponse. Mais il fait un très bon point, puis ça m'a mis, mais pour vrai, c'est une vérité, ok? Grâce à son signet que j'ai acheté sur un coup de tête, parce que quand, 25 cents, c'est pas cher. On se dit, c'est un bon prix. Je me suis mis à la lecture. C'est fou, Mathieu. Vraiment beau. Ben, je me suis mis à la lecture, puis je voulais remercier Steven. Ça n'a aucun rapport avec le spectacle. Mais... Merci, Steven. Ah, ben, merci. Le prochain numéro qui vous attend en ce moment s'appelle The Great Escape. Et puis, ça tombe, je pense que ça tombe, c'est moi qui présente tout le temps les numéros qui sont cute à croquer, mais que voulez-vous, je suis un crocophile. J'aime. Ça parle de quoi que j'ai pas vu, c'est de la musique. C'est... Oui, c'est de la musique. J'ai pas été là pendant la musique. Mais non, mais c'est un duo absolument farouche en croqueterie. Et puis, vous allez les adorer. Il s'agit de Josette. T'es tellement belle, Marielle. T'es belle, là. Oh, ça vaut que comme ça, là. Vous allez voir, là. C'est beau, beaucoup. Ouais. Ben, bon. La voix est pas mal stressée en arrière dans ce moment. Fait que juste pour tomber de malade, je vous demanderais de les accueillir à chaud d'applaudissements, s'il vous plaît.
Félicitations, c'était vraiment beau. C'était vraiment... je sais que j'ai fait mauvaise impression. Je n'ai pas été des plus agréables hôtes que j'ai encore lors d'un show de variété. Alors, permettez-moi de me présenter un peu sous un meilleur aspect. Je m'appelle Steven Terrava. Je suis un homme distingué. De manière, j'aime le théâtre. J'ai même chez nous une collection de porcelaine de Limoges. J'aime prendre le thé les dimanches après-midi avec mon groupe de lecture. Et je m'adonne souvent à écouter de la musique classique. Et pour poursuivre sur cela, j'aimerais vous présenter ce soir Samuel Mercer, qui l'année passée nous a interprété une pièce de Piazzolla, Verano, Portelli, et qui cette année va se surpasser encore et nous offrir une pièce des plus belles, qu'il a intitulée Hommage à Beethoven. Merci. Non. Hey.
check, hein? Je te check. Ça va être difficile. Notre prochain invité, c'est un adepte du beatbox. Ouais. Il est tellement adepte que lui, il en fait dans la coulisse depuis tantôt. Il trippe beatbox. La voix dans le ciel, c'est pas. Il traite beatbox, puis son nom c'est Giulio Mazza. Et puis, il est tellement bon en beatbox que c'est comme une légende vivante. Vous allez le voir, vous êtes. Vous allez rien comprendre. Ça, c'est juste le début. Je vous demande d'accueillir à tout rond notre invité Giulio Mazza. Un classique. Je l'ai fait toujours celle-là. Ça va bien? Ouais! Je vous cacherai pas que ce soir, oui, je vais faire du beatbox. J'aimerais aussi démystifier quelque chose au sujet du beatbox parce que pour vrai, il y a beaucoup à dire là-dessus. Et l'inspiration m'est venue il n'y a pas trop longtemps. J'ai marqué ça sur mon sel pour avoir l'air un peu à l'improviste avec ça. Je vais vous le sortir un peu une seconde fois. Pour l'instant, je vais juste faire un peu de beatbox parce que c'est un peu à ça que vous vous entendiez. Fait. Ok, donc c'est ça. J'aimerais ça vous partager un peu des petites choses, des petites légendes au sujet de beatbox. C'est juste mettre ça au clair. Ok, maintenant, c'est des petites notes. Je vais vous lire des petites notes pour que vous sachiez où est-ce que je m'en vais. Donc, dans la rue, je fais du beatbox. Les gens sont traumatisés. Alors, je cite des faces étranges de loin. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent dans la rue, là, moi, j'aime ça beatboxer. Parce que c'est pas avec le beatbox, c'est que t'as pas besoin d'instrumenter. Tu peux vraiment être dans la rue et être genre juste libre. Quand je vois quelqu'un arriver au loin, honnêtement, je ne peux pas continuer en faire. Au loin, ce qu'il voit, là, c'est... Quand je le vois arriver, je suis comme... Enfin, c'est juste pour avoir l'air normal. Ça va, là, vous comprenez un peu le genre. Ok, donc, l'autre aussi. Quatre guitares autour du feu, un Giulio accompagne des guitaristes. Personne n'entend, j'ai l'air d'un con. Ouais, ok. Ce que je veux dire par là, c'est que ça m'arrive parfois d'être autour du feu avec mes boys. Tu sais, il y a comme 4-5 guitaristes, puis aussi genre 28 000 vocalistes. Puis là, tout le monde s'improvise, chanteur, artiste, puis tout. Puis là, il y en a un qui colle. Hey, Giulio, tu fais du beatbox, toi? Je suis comme. Ouais. Hey, fais-en donc pour les accompagner sans faire du beatbox avec les 15 guitares puis les 200 chanteurs. Puis on est autour du feu, tu sais. Puis bien sûr, j'ai un gros amplificateur de 800 watts en arrière qui m'attend avec mon gros micro, tu sais, on est autour du feu. Fait que là, moi, je suis comme. Tu sais, j'essaie, je me force, là, pis tu sais, tout le monde autour, les trois pommes sont comme. On n'entend pas! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux dire tout ce qu'il voit, c'est. J'ai vraiment l'air d'un imbécile. Ok, y'en a d'autres, je continue. Ceux qui prétendent faire du beatbox, c'est comme ceux qui se disent. Parler trois langues. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois tu demandes à quelqu'un, mec, tu parles combien de langues, toi, il va dire trois. Là, tu te dis, ok, si c'est pas la première, il va dire français, la deuxième, tu t'attends à ce qu'ils disent anglais, puis effectivement, ils disent anglais.
Là, tu demandes, c'est quoi ta troisième? Là, il va te dire espagnol. Espagnol. La troisième langue, c'est espagnol. Là, t'es comme, vas-y, parle-moi un peu espagnol. Là, tu l'entends dire hola como estás. Là, t'es comme. T'sais, c'est pas dire hola como estás qui fait que tu parles une langue. T'sais. C'est comme le beatbox. T'sais, c'est pas être capable de faire. Qui fait que tu fais du beatbox, tu comprends? T'sais, cracher dans le micro, c'est pas faire du beatbox. Même si c'est ce que je fais avec mon temps. Ok. Sinon. Ok. Une des pires qui fait bon, ma mère, toujours. Ça arrive souvent. En entrevue, j'ai marqué pour prénom de mot, mais je vous laisse dans le mystère de savoir à quelle entrevue j'étais. Je suis en entrevue, on me pose quel est votre passe-temps. Tu sais, souvent ça se trouve toujours, tu sais, c'est pas un jeune de 28 ans qui est comme, ah, moi je sais pas le beatbox, je te filme quand tu parles de beatbox, non. Tu sais, une madame de 47 ans, un monsieur de 62 ans, dis oui, puis dans ta vie, tu sais, à part la chose pour laquelle tu viens appliquer, qu'est-ce que t'aimes faire? Je suis comme, moi j'aime faire du beatbox. Du quoi? Du beatbox. Du bruit avec ma bouche, j'ai comme. Ah ouais, c'est quoi ça, du beatbox? Tu sais, c'est pas le moment, tu sais, ça me tente pas d'enfant. Là, il m'oublie, genre d'enfant, tu sais, c'est comme. Puis, tu sais, une chance que ce gars-là ait le pouvoir de faire rentrer à la job, parce que, tu sais, je le ferais jamais. Fait que là, je suis comme. À 5 cm de sa face. C'est là, lui, ton beatbox, là. Laisse-moi tranquille. Ok, so, ok, ça continue. Ça, c'était le patron bizarre, ça. Ok. Ah oui, la promesse est légende. Tu sais, la légende de ceux qui disent ah, oh, j'ai entendu sur Internet un mec qui faisait 8 sons avec sa bouche. Moi, c'est 8 sons. Tu sais, des fois, j'entends 7 sons. Hey, le mec qui faisait 8 sons avec sa bouche, hey, c'est malade, tellement 8 sons. Parle 8 sons. Tu sais, moi, là, on va démystifier ça assez vite, là, puis vous serez plus dans. Dans l'ignorance maintenant. Regardez ça. Si je fais un béton. Au maximum, à la fois, j'ai fait un son. Mais c'est vrai, non, parce que, dans le fond, je suis allé rapide, mais c'est pas parce que t'es rapide que t'en fais plein à la fois. Tu sais, mettons, c'est. C'est toujours un son. C'est sûr que tu l'accélères. Tu passes comme un vide. Il y en a un à la fois. Puis au pire, je te croirais si tu me disais que l'homme avait fait deux sons à la fois. T'sais. Au pire, tu sais, le gars, il s'est mis avec sa bouche comme ça. Puis il s'est fait une petite boîte avec ses mains. Il a commencé à chanter du métier. Ah, puis on va y arriver à celui-là parce qu'il est fatigant aussi. Donc, vous savez pourquoi c'est fatigant cette affaire-là? Ok, donc, oui, on poursuit. Oui. Tu sais, ceux qui prennent des tunes comme Billie Jean. Tu sais, c'est comme, ah oh, ouais, moi si je suis beatbox, je suis capable de faire Billie Jean de Michael Jackson avec ma bouche. Eh, ben, c'est fort. Comme, de tout faire, c'était beau. Ouais, puis un poignet qui gosse. Ok. Là, le vrai beatbox, la fois c'est énorme. Il faut pas juste bâcher, là. Ok. Ouais. Dans le beatbox, il y a une chose vraiment fondamentale que je pense que plusieurs n'ont pas compris encore. C'est que. Regardez la différence, ok? Ça, puis. Avez-vous noté quelque chose? À part le long changement du beat, il y a eu du déplacement, il y a eu de la gestuelle. T'es vraiment, t'es le beatbox, oui, c'est bon faire tout près de sa bouche, mais
sais, exprime-toi, on peut voir ton expression physique aussi, ça fait partie de la chose. Donc, beatbox, c'est beaucoup plus que du son avec la bouche, c'est aussi de l'expression physique. Je vais te plugger. Parce que dans le monde. Ouais. Et ben, je pense que je vais encore faire ça. LOL. Ok. Est-ce que c'est possible de faire un effet Doppler au beatbox? On va souvent poser la question. Peux-tu faire un effet Doppler? Ok. Ok, donc. On va y aller avec une fréquence harmonique. Peu. Maintenant, si je fais. Par contre, si je faisais ça encore sur la 5, je me mettais comme. Sur mon bureau, comme ça, je fais comme. Et à l'époque, je disais, bon, ce qui fait le bruit de tuyau encore, tu sais, c'est pas tout ça, mais c'est comme la résonance est vraiment parfaite dans la classe, comme un champ magnétique qui est tapé là-dedans. On va essayer de l'aider de plage, genre, non, ouais. Avez-vous senti que la fréquence est augmentée quand il est passé, genre? Ouais, on va essayer de voir en bas. Puis non, je ne le ferai pas sur l'autre axe. Ok. Je vous fais un petit 30 secondes d'impro, puis je vous laisse là-dessus, c'est bon. Okay. So I spend like it's blue. Thank you.
Around free.
Il y a un petit peu stress. C'est le dernier. Puis c'est comme. On avait. Parce que c'est là. On avait préparé plein de choses vraiment le fun, mais. On avait plein de styles, okay. Ouais. Je vous le jure. Mais on est comme un peu stressé parce qu'on présente le président de la Zoom. Que franchement, je n'ai pas le droit de parler pour le présenter, c'est cool. Non, c'est le président de la Zoom. C'est comme. Des grosses pointures là, qui vont venir sur scène, puis on a vraiment peur qu'il nous kick-out la physique. Ouais, vas-y, vas-y. Fait qu'on va faire ça short and sweet, mais quand même bien. Vas-y, ben, t'as. Puis vous aussi, vas-y. Ben, ben, vous êtes aussi comme ça. Donc, s'il vous plaît, applaudissez-les comme si votre vie en dépendait. Votre vie en dépendait. Go, c'est le temps! Go! Thank you.
sûr, moi aussi. Yeah.
J'ai des choses à faire. Oui, faut que je prépare le souper. Il y a une âgée demain. Faut que je sois en forme pour présider. Je suis un président, comme. J'ai des choses à faire. Mais ils savent pas ça. Je peux pas faire ça. Pourquoi? C'est une tonne de Noël. Je peux pas faire une tonne de Noël en novembre, ça se fait. On tourne de la neige dehors! Non. Non, vraiment, il faut que j'y aille. Non, mais pourquoi, non? Vous étiez fantastique. C'était vous le clou du spectacle.
Vous avez rien à me prendre poche, là. Comment? J'aimerais remercier Caro tantôt parce qu'elle m'a passé du. C'est ça, t'as vu ça? Parce que j'ai vu ça la première fois. Sauf que là, j'ai des essais qui sentent le melon d'eau. Ça va ce qu'il fait. Là, en fait, pas grand chose de préparer en ce moment pour la fête. C'est. Tu sais, la neige, il ne neigeait pas vraiment. Il y avait vraiment quelqu'un qui a développé en bas. Puis c'est l'organisateur. Je trouve que dans pas long, j'ai demandé à la FUPO. C'est cette technicien de son qui a. Quoi? Oh! Quel manque de professionnalisme! Ça avait coûté 5000 piastres à son organisateur. Mais oui, tout ça, ouais, c'est ça. Fait que notre organisateur, Saint-Mont, m'a dit que pendant ce temps-là, j'avais le droit de me présenter ça. Non, 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 ça n'a pas. Ça fait la masse, c'est lui qui m'a dit que le président, il est en train. Oh shit, il y a des clés dans cette affaire qui veut. Bon, ok, on l'adapte. Ou on prend papier, là. Hein, le monde, ça, ça. Les participants. Si vous n'avez pas participé, vous restez assis. C'est ça. Si vous avez participé, ben vous faites une. Si vous avez été sa scène dans la soirée, mon droit de monter. Pas sur la scène, vous restez assis. C'est simple. Mais ça va se passer plus compliqué que ce que. Si tu as fait le numéro, t'as-tu touché un instrument? T'as-tu chanté dans un micro? T'as-tu été applaudi? Oh. As-tu reçu un rabais de chez Sears? Sinon, pour pas t'en faire avec sa scène. Ouais. As-tu mangé des frites trop vite avec de la sauce de chez Sainte-Bar? Tu. Plein d'indices comme ça, ben, pour de bien voir avec sa scène. C'est plus quoi. Ok, ben, Pierre, on est plus en train. J'ai une bonne blague. Vas-y, Steven, on va voir. Comme, c'est à blague, tout le monde. Vous êtes malaisant, hein? Je sais pas. En attendant, après ça, on va faire un job pour vous. Merci. Merci. Merci Vincent! Merci Vincent!
C'est pas moi qui ai dit que je n'avais pas un micro. Alors merci et bonne fin de soirée. J'improvise, c'est ça.